dignité. Rassemblée. Avec nos joies et nos soucis. Nos espoirs et nos ennuis, rassemblés, unis par la même foi, tu nous montres le chemin, Seigneur, qui conduit. Seigneur, j'ai mis mon espoir en ta miséricorde. Mon cœur a exulté dans ton salut. Je chanterai le Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Frères et sœurs, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Messe de mort par Luther Cana pour le repos de l'âme de sa grand-mère. Maman Ntibujan, dont c'est aujourd'hui le premier anniversaire de décès. Il prie aussi pour ses parents et grands-parents, Dassi Jacqueline, Tud Gormar et les âmes du purgatoire, qu'ils intercèdent pour lui. Nous continuons de prier pour Jires Kamga, que le Seigneur achève ce qu'il a commencé en lui. Nous continuons de prier pour Yassin Yedmou, que le Seigneur le porte, l'accompagne dans cette dure épreuve qu'il traverse. Nous continuons de prier pour Marie-Thérèse Mathieu, que le Seigneur lui accorde la paix de l'âme. Nous continuons de prier pour les jeunes qui présentent à Dieu leurs projets, Carissa Franck, Martial, Achille, Nestor et tous les autres jeunes. Nous continuons de prier pour tous ceux qui comptent sur nos prières, pour les intentions de David et Anne Hill. Nous continuons de prier pour chacun de nous, que le Seigneur nous aide à grandir dans la foi, de le découvrir davantage et de nous accrocher à lui. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi. Seigneur, prends pitié. Kyrie, Kyrie, eleison. Ô Christ, venu appeler les pécheurs. Ô Christ, prends pitié. À la droite du Père, où tu intercèdes pour nous. Seigneur, prends pitié. Kyrie, Kyrie, eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduisent à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions, accorde-nous de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes,
dans une inlassable recherche de biens spirituels, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Jacques au chapitre 5, versets 13 à 20. Bien-aimés, l'un de vous se porte mal, qu'il prie. Un autre va bien, qu'il chante le Seigneur. L'un de vous est malade, qu'il appelle les anciens en fonction dans l'Église. Ils prieront sur lui, après avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. Cette prière inspirée par la foi sauvera le malade. Le Seigneur le relèvera et s'il a commis des péchés, il recevra le pardon. Confessez-vous donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La supplication du juste agit avec beaucoup de force. Le prophète Élie n'était qu'un homme pareil à nous. Pourtant, lorsqu'il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas, il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Puis, il a prié de nouveau et le ciel a donné la pluie et la terre a fait germer son fruit. Mes frères, si l'un de vous s'égare loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, alors sachez-le. Celui qui ramène un pécheur du chemin où il s'égarait sauvera sa vie de la mort et couvrira une multitude des péchés. Parole du Seigneur. Psaume 140. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens. Seigneur, je t'appelle, accours vers moi. Écoute mon appel quand je crie vers toi. Que ma prière devant toi s'élève comme un enfant et mes mains comme l'offrande du soir. Que ma prière devant toi s'élève comme un enfant. Mets une garde à mes lèvres, Seigneur. Veille au seuil de ma bouche. Je regarde vers toi, Seigneur, mon maître. Tu es mon refuge, épargne ma vie. Seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé au tout petit les mystères du royaume. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'il pose la main sur eux. Mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit, « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas. » Car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. Il les embrassait et les bénissait
en leur imposant les mains. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Le royaume des cieux est à ceux qui ressemblent aux enfants. Les enfants sont comment? Les enfants sont vrais. Les enfants ne sont pas hypocrites. Ce qui nous tue, les adultes, c'est l'hypocrisie. Nous avons appris à jouer, montrer les dents blanches alors que le cœur est tout noir. On joue, on jongle. Quand un enfant est content, il rit. N'est-ce pas? Il rit. On sait qu'il est. Il rit du fond de son cœur. Quand l'enfant voit son père ou sa mère venir, il court. Papa, yayato. Il l'embrasse son père en chantant, en dansant. Maman, maman, maman. Papa, papa, papa. Et c'est vrai. Mais les adultes là, hein? Ils fabriquent tout dans leur tête. Et c'est un peu la comédie. Non, je vais la voir. Et pour la voir, je vais lui montrer un visage reluisant pour le tromper. Rares sont des gens sincères. Et le Seigneur nous invite donc à cette sincérité des enfants, à cette vérité des enfants. Soyons vrais. Soyons vrais. Que votre oui soit oui. Que votre non soit non. Pourtant, ce sont ces enfants-là que les gens veulent les écarter. Les gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'il pose la main sur eux. Les gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'il pose la main sur eux. Mais les disciples les écartèrent vivement. A dit vrai, si tu veux adopter la vérité, la simplicité des enfants, l'humilité des enfants, dans ce monde, on va t'écarter. On va chercher à t'écarter. On va chercher à t'écarter. On va dire que tu es qui? Et tu n'es pas des nôtres. Tu ne fais pas comme nous. Et si on t'écartait même seulement, ça devait même être encore passable. Mais quand on t'écarte, on te persécute en plus. On colle même des choses sur toi pour te noircir. Voilà, ainsi va le monde. Ainsi va le monde, chers frères et sœurs en Christ. Ceux qui marchent selon la vérité, selon la volonté de Dieu, ce sont ceux-là qu'on masque, c'est cela qu'on met en quarantaine. On voulait, les disciples les écartèrent vivement. Oui, toi-même, si tu marches dans la vérité, on va t'écarter vivement. Si tu es humble, on va t'écarter vivement. D'ailleurs, n'est-ce pas, on ne voit que des personnes qui ont des compensés compensatoires. Elles sont montées sur les talons là, elles marchent comme ça là, en balançant. Alors on les voit plus. Mais celui qui est humble et qui passe en soudine, on ne le voit pas. Dans ce monde, on applaudit ceux qui ont des grosses voitures, ceux qui ont des grosses maisons, on t'applaudit parce qu'on te voit. Mais toi qui es comme un enfant, tu n'as pas de place, on n'a pas de considération. Pourtant, ce sont ceux-là que Jésus invite. Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen. Celui qui accueille, n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant, n'y entrera pas. Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Frères et sœurs en Christ, si nous avons bien compris, ne l'empêchons pas aux enfants de venir à Jésus. Vous les parents qui disent souvent, qui sont en train de dire que je fais trop, j'occupe trop les enfants. On n'a jamais vu ça dans cette paroisse, que pour la catéchèse, pour le sacrement, on fait venir à la messe les enfants chaque matin.
on les soumet à la retraite. Laissez venir les enfants. Laissez les enfants venir à Jésus. On les entraîne. On est en train de les entraîner. Quand tu ne t'entraînes pas bien, tu ne vas pas livrer un bon match. Et c'est justement le problème de l'heure. On fait tout à la va vite, et rien ne reste. Nous ne disons pas que nous sommes garantis que ça va changer. Mais nous faisons notre part. Nous donnons jusqu'au dernier détail aux enfants et aux parents de faire le reste. Nous ne les utilisons pas seulement, mais nous les entraînons. Nous les initions à une vie chrétienne. Que ces enfants, en grandissant, sachent qu'il y a la messe chaque jour. Ce n'est pas pour les autres, c'est aussi pour eux. On ne les maltraite pas. On n'est pas très rigoriste, mais c'est une volonté de les initier. Ils sont contents, vrai ou faux? Vous êtes contents, vrai ou faux? Applaudissez si vous êtes contents. Donc, chers parents, laissez les enfants venir à Jésus. Ne l'empêchez pas. Parce que généralement, le problème, ce ne sont même pas ces enfants. Hein. Le problème, c'est plutôt les parents. Et vous, les parents, c'est vous qui sera encore les premiers à pleurer demain. Mon père, je ne comprends plus mon enfant. Il est sorti d'ici, il est parti à l'université, il n'est pas même plus à la messe. Il est sorti ici, il est parti en Europe, il ne va même plus à la messe. Que tu l'as éduqué comment? Tu lui as donné quelle base? Donc, chers frères et sœurs en Christ, laissons les enfants. Les enfants que vous gardez dans la maison sans les baptiser là, ce ne sont pas vos enfants. Ce sont les enfants de Dieu. On dit tous les jours, venez baptiser les enfants. Certains cachent leurs enfants en disant que c'est mon enfant. C'est ton enfant, tu l'as pris où? C'est Dieu qui te l'a donné, n'est-ce pas? Et quand on te demande de venir l'offrir à Dieu, tu caches l'enfant à la maison. Tu dis que c'est ton enfant. Si on te demande si Dieu n'était pas là pour te le donner, tu devais le prendre où? Laissez venir à Jésus les enfants de Dieu. Et quand vous laissez venir à Jésus les enfants de Dieu, veillez à ce que ces enfants-là soient imprégnés de Dieu. Donc qu'ils vivent selon la volonté de Dieu. Qu'en toutes circonstances, qu'ils mettent Dieu devant. L'un de vous se porte mal, qu'il prie. Ou un autre va bien, qu'il chante le Seigneur. L'un de vous est malade, qu'il appelle les anciens en fonction de l'Église. Ils prieront sur lui, après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. Donc, faites en sorte que l'enfant sache que sa vie dépend de Dieu. Même s'il est appelé à faire des efforts, c'est Dieu qui l'a créé. Et il doit avoir la crainte de ce Dieu qui l'a créé. Si l'enfant échappe à la crainte de Dieu, il va devenir une panthère. Et la première personne qu'il va dévorer, c'est toi, son père, sa mère. Parce qu'il ira juste à te demander, qui t'avait demandé de m'accoucher. Donc, apprenons aux enfants la crainte de Dieu. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Et la force, le prophète Élie n'était qu'un homme pareil à tous. Pourtant, lorsqu'il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas, la pluie n'est pas tombée. Montrez aux enfants qu'en s'accrochant à Dieu, ils peuvent faire de grandes choses. Mais sans Dieu, ils ne peuvent rien faire. Loué soit Jésus-Christ. Receive this humble gift we bring to you, O Lord, we offer them with joy. Accept them all and bless them, O Lord. Receive this humble gift we bring to you, O Lord, we offer them with joy.
blessed and for long. Receive this humble gift we bring to you. O Lord, we offer them with God. Accept them all and bless them, O Lord. O Lord, accept them. Frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de nous ce sacrifice à la gloire de Dieu. En célébrant tes mystères, Seigneur, pour te servir comme il convient, nous te supplions humblement que les dons offerts pour honorer ta gloire nous fassent progresser vers le salut. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu récapituler toutes choses et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est de condition divine, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Et c'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut, et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il en dit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » «
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul l'Antiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement de maman Jimou, Jeanne, de Ndassi, Jacqueline, de Tungon, Marie, et de toutes les âmes du purgatoire. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage, sur nous tous enfin, sur tous ceux pour qui nous prions, Carissa Franck, Marie-Thérèse, Mathieu, Yassine Guermont, David et Anne Hill, tous des enfants, chacun de tes enfants ici présents, ton pauvre humble serviteur que je suis, sur eux tous, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint Jean-Paul II, et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire à ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Seigneur, je rendrai grâce, je dirai tes innombrables merveilles. Pour toi, j'exulterai, je danserai, je fêterai ton nom, Dieu très haut. Achevons notre prière. Nous t'en prions, Dieu tout-puissant, donne-nous de recueillir tous les fruits de salut dont ces mystères sont déjà la promesse et le gage. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Demain, à partir de ce soir, clôture de la fête de récolte. Et à 13h, il y aura mariage ici, deux mariages de nos fidèles ici. À 16h, il y aura baptême de nos enfants.
Alors, dans la messe anticipée du dimanche de la Sainte Trinité, parce que demain, aujourd'hui, c'est déjà le dimanche de la Sainte Trinité. Nous sommes tous invités à ces différentes fêtes. Les catéchumènes, dès qu'on sort là, vous vous mettez directement au fond de l'église pour l'entraînement. Et après l'entraînement, vous prenez le temps pour laver l'église, pour embellir l'église. Mettez des fleurs, mettez tout ce que vous pouvez pour que votre fête soit belle déjà ce soir. Vous lavez l'extérieur, vous balayez l'extérieur, vous mettez même les palmes, les bananiers, tout, pour que on sente que vous êtes en fête. Bonne journée à vous tous. Ne rentrez pas chez vous comme avant. Comme avant. Changez vos cœurs, chassez vos peurs, vivez en homme nouveau. Ne rentrez pas chez vous comme avant. Ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, chassez vos peurs, vivez.